Hop là, on se retrouve avec un autre petit jeu qui s'appelle, désolé, faut que je regarde, Urbo Dream One. Je sais pas si Dream One, c'est parce que c'est la démo peut-être. Bon, en tout cas ici c'est juste une petite démo, mais je me dis c'est l'occasion de découvrir le jeu et peut-être qu'il essaie de l'acheter un jour, aujourd'hui, demain, peut-être pas, peut-être oui. En tout cas voilà, on va découvrir ça ensemble. Ok, en plus ces petits trucs comme ça, faut fusionner. J'ai déjà eu des jeux comme ça sur mon téléphone, j'avais plutôt bien aimé. On va découvrir. Oh, level building, nanana, ouais, une carte. Alors attendez, je vais regarder les options. Ok, photo mode. Ok, la caméra. C'est marrant parce que du coup il est en azerty, mais c'est en anglais. Ok. Bon, on va découvrir ça. C'est bien, on peut choisir quand c'est dans la journée. Et je suppose que le temps il avance. C'est très joli. Bon, je propose de commencer le matin. J'ai pas fait attention. Ok, donc c'est pas toujours des petits de 1. Ah oui, du coup on voit. Ah, c'est peut-être ici les paramètres. Ah voilà. L'audio c'est bien comme ça, je pense. En graphisme, on va pas toucher. Que je l'ai regardé. Je vais essayer de retenir. Donc, il y a un petit arbre, un plus grand arbre, une terrasse, deux terrasses, trois terrasses, une grande terrasse. Mais après, on n'a pas encore découvert le reste. Là, il y a plusieurs. C'est une espèce de. Un peu, ouais, de 2048, de truc fusion. Ok. De jouer un peu moins vite du coup. Par contre, quand ils fusionnent, comment on sait vers lequel ils fusionnent? Ah, vers le dernier qu'on met. Ok. On a le temps de prendre un peu en main. En vrai, c'est clairement le genre de petit jeu très apaisant, très très chill. Je sais pas si c'est le plus intéressant, on va dire, par exemple, à streamer. Mais en tout cas. Ouais, c'est le genre de petit jeu que j'aime beaucoup. Pardon. Genre sur. Même sur le téléphone et tout ça. Ah, c'est bien ces cartes. Je sais pas si j'ai envie d'en utiliser une. Ah, je suis obligée d'utiliser la carte. Augmenter le niveau d'un bâtiment. Bah. Ah, mais en vrai, celui-là, il va être bloqué. Je vais augmenter celui-là. Une terrasse, deux terrasses.
terrasse. Ah, c'est maintenant que t'arrives, toi. Quand j'avais besoin de toi, t'étais pas là. Hop, là, c'est le 1. Et j'aimerais bien pouvoir remettre un 1 ici. Comme ça. Je pense que si je devais refaire une partie, je le ferais un peu différemment. Bâtiment de niveau 5, parfait. Il m'en faudra un autre ici. Je vais directement le passer niveau 3 lui. Ouais, niveau 3 je crois que c'est. C'est compliqué parce que si on va un peu trop vite, on les met mais du coup ils sont pas forcément bien mis. En fait, il faut cet espace vide pour qu'ils fusionnent avec celui-là, mais. Donc, je sais pas si je peux en avoir des doubles comme ça. Je crois que j'en ai déjà eu. Faudrait que je fusionne des petits ici. Juste un niveau 3 ici, mais ça va être compliqué. Sauf si je fais ça. Et voilà. Et les cartes, je peux utiliser un peu comme je veux. Ouais, ok. Il y a parfois des bonus que je peux pas, et puis certains que je peux. Essayer de faire un méga combo. Okay.
La... faire des méga gros combos. Là. J'utilise un peu mes cartes, mais je me dis, quitte à avoir des cartes, on peut pas annuler. Ah, une fois qu'on a mis les cartes, on peut pas, je crois. Alors, ben lui, on va le level up. C'est vraiment apaisant comme jeu. J'aime beaucoup. Plus l'air de rien, c'est un truc qui peut vite fait te faire passer des heures et des heures de jeu.
Je vais attendre avant d'interchanger du bâtiment. Que je repouche après, mais bon, je pourrais presque le bouger maintenant si ça a embêté pour un truc. Il ne peut pas en avoir des petits tout seul. C'est de faire un truc, mais. Et si je fais ça. Ah mais non, mais je voulais pas. Ah, je voulais interchanger, mais du coup il a disparu. Ah voilà, interchanger. Ah, c'est ce que je voulais. Hop là. Bien ces petites cartes bonus. Deux ici là.
C'est de redégager un peu de place par ici. Moi j'ai un peu les petites n'importe où. C'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de petites, hein. Faudrait quelques deux, mais je suis pas sûre que je peux avoir des deux comme ça. Il y a des 1, mais j'ai rempli la carte de 1. Je pense que je vais utiliser un bonus bientôt. Ah bah voilà, là il y a un 2, mais moi j'ai plus de place. J'essaie toujours de faire monter le presque plus haut niveau parce que c'est ce qui va être le plus compliqué à avoir et qui demande le plus de ressources sur la carte. On va être sur de plus en plus de petits. Il y en a pas mal que je pourrais essayer de fusionner. Il faudrait que je mette un grand ici pour dégager un peu de place. Genre là. Zone à petit, une zone à plus grand. Ça se fait des plus grosses fusions et j'ai des bonus. Ça vaut le coup. Au-dessus ou en dessous? Je dirais ici, comme ça on pourra faire ça.
extrêmement agréable comme jeu. J'aime beaucoup. Ça serait intéressant à streamer. En vrai, c'est assez reposant. Quelqu'un qui voudrait juste s'endormir, il se pose devant le stream tranquillou. Être le bâtiment de niveau 6 parce qu'en vrai j'en ai un là. J'ai le temps de déployer le terrain. Je peux interchanger deux bâtiments peut-être, il y a peut-être un bon move à faire. Pas bouger trop les petits. C'est fini, il n'y a plus de fusion au bout d'un moment. Peut-être parce que c'est la démo. Ou alors j'ai fini le jeu, ça y est. C'est en dessous, ce qui est annoncé.
méga combo, yeah. J'aurais dû anticiper. Tant qu'on n'est pas trop bloqué, je vais pas spécialement bouger mes bâtiments. Peut-être que je pourrais ajouter un niveau 6 ici. C'est quoi ça, un niveau 1? Là, on va avoir plein de petits trains. Interchanger.
Mais café, j'ai. Bien quelques petits niveaux 3 là. Que je peux déplacer quelque chose? Déplacer. J'aimerais bien mettre là lui. Juste interchanger actuellement. Là-bas. C'est la plus grosse fusion qu'on peut faire, ça. Il faut avoir de la place pour le faire. Pas d'intéressant à monter là en fait. On est trop coude.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Niveau 6. Niveau 5. Très intéressant ça. Niveau 4, hein. Oh, on peut avoir un de niveau 7. Ah ouais, je l'ai jamais eu celui-là. Autour d'une place comme ça. Thank you.
C'est dommage qu'on ne peut pas annuler quand on a pris un bonus, qu'on peut pas reprendre un autre. Alors c'est juste moi qui ai peut-être pas compris, hein. On n'a plus de bonus. Oh non! Ici. En vrai, je pense que surtout avec les cartes bonus, on peut en avoir pour un bon moment. Mais c'est vrai que je regarde un petit peu. Je sais pas s'il y a dans la version payante, on va dire. Oui, c'est ça, payante. Je sais pas s'il y a d'autres choses un peu, peut-être d'autres niveaux. C'est dommage qu'il n'y a pas un score genre qu'il faut atteindre et après on passe au niveau suivant. Enfin, peut-être que c'est ça dans la version payante, je sais pas. Après, en vrai, juste faire ça, c'est. Enfin, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est déjà super apaisant. Et un poil addictif! Ouais, je comprends pas l'arrêter. Bon. Du coup. Oui, on arrêtera un jour, oui. C'est prévu.
J'aime bien faire des moves comme ça pour faire des... Ah mais en fait je peux. Ah ouais, je peux changer. Oh, je peux au moins changer. Ah mais c'est déplacé. Ah non, j'ai juste recliqué en fait. Donc j'ai annulé l'utilisation de... Ok. Ah ouais, du coup je peux plus. Comme ça switch. En fait je vais utiliser un autre avant. Oh, c'est pas mal ça. Que j'avais pu découvrir des trucs. Entièrement la carte de bâtiment comme ça. En fait, c'est vraiment le typiquement genre de jeu où t'as pas du tout objectif, mais. Enfin, tu te donnes des objectifs en fait. Il y a combien qu'une seule chose à faire et. C'est hyper agréable. Tu te donnes un objectif de score, un objectif de nombre de bâtiments. Déplacer vers une cellule vide. J'ai encore rien vu, j'ai encore rien suivi moi. Ça commence à être un peu bloqué mes trucs.
Je me demande si je remplis juste la carte comme ça, sinon. Si le jeu est terminé. Ok. Bon, elle est plutôt sympa ma ville, hein. J'ai même pas pensé à tourner, mais je crois qu'il n'y en a pas besoin, je trouve, pour que ça soit agréable. Bah, c'était plutôt sympa comme petit jeu aussi. Je pense qu'enfin on peut jouer un bon moment. Là j'ai déjà joué à 1 heure et j'ai pas vu le temps passer. Je pense qu'on peut clairement, si on veut juste un petit jeu comme ça pour se détendre, petit jeu sympa. On peut aller à la 2048 et tous ces petits trucs de fusion comme ça. En plus, c'est comment? Ça c'est la démo. Donc je pense que le jeu en offrir encore d'autres choses. Je pense que je vais regarder un peu la vidéo plus en détail et voir qu'est-ce que ça peut donner ce jeu-là, mais en mieux. Parce que logiquement, la version payante, c'est ça en mieux. Mais ça, déjà, c'est super cool. Et franchement, si vous voulez juste tester, passer un bon petit moment, franchement, n'hésitez pas à télécharger la démo. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Bon, du coup, bah, c'est terminé pour Urbo. Urbo, la démo. C'était vraiment chouette. Du coup, je vous fais plein de bisous. À bientôt.